agressions barbares et injustes dont nous sommes victimes par l'un de nos voisins, le Rwanda, et laquelle agression a causé beaucoup de dégâts humanitaires. Pas le souci que nous avons en ce moment qui nous empêche vraiment d'avoir un développement normal, c'est évidemment le souci sécuritaire qui, comme vous le savez, est caractérisé par cette agression barbare et injuste dont nous sommes victimes par l'un de nos voisins, le Rwanda, et laquelle agression a causé beaucoup de dégâts humanitaires. Nous avons examiné les domaines de coopération. Je crois que vous les avez suffisamment entendus dans les détails. Je ne vais pas revenir là-dessus par le Premier ministre. Et donc, je voudrais simplement insister sur le fait que nous sommes engagés et déterminés à améliorer, à consolider ces relations, ces échanges, parce que la République démocratique du Congo est un pays qui a et offre beaucoup qui a des potentialités et offre beaucoup d'opportunités. Nous croyons vraiment que les ingrédients sont réunis pour pouvoir développer ensemble une coopération gagnant-gagnant. Allô.